Ces derniers temps, on a vu apparaître un nombre incalculable de vidéos qui parlent de comment créer son entreprise grâce à l'intelligence artificielle. Entre success story et bonnes pratiques, le potentiel de l'IA pour créer ta boîte a l'air énorme. Bon, aujourd'hui, on va aborder un aspect dont on a moins entendu parler, les risques liés à l'utilisation de l'IA pour créer une entreprise. Est-ce que les risques existent vraiment? Quels sont-ils exactement? Comment est-ce que tu peux les éviter? Ah, c'est que du négatif. Bon, allez, on se calme. Sur une note un peu plus positive, on va aussi se demander si l'IA peut t'aider à dénicher les meilleures opportunités. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis expert comptable et le cofondateur de Doux, l'expert comptable qui simplifie la vie des entrepreneurs, et je vais tout expliquer. Allez, c'est parti. Tout d'abord, c'est quoi une IA? Une intelligence artificielle. C'est un système informatique qui permet d'imiter plus ou moins bien le cerveau humain. En gros, c'est une machine qui répond à ta demande dans les limites de ses capacités en fonction de ce qu'elle a appris auprès des autres utilisateurs. Si tu es là, c'est que tu dois te demander si c'est possible de créer et développer ton entreprise en t'aidant de l'intelligence artificielle. Ben en fait, pas vraiment. Ben, il faut garder en tête que l'intelligence artificielle est un outil puissant, mais pas infaillible. Pendant que je t'explique tout ça, télécharge notre guide pour créer ton entreprise en cliquant sur le lien dans la description. Ça te fera gagner un peu de temps. Bon, c'est vrai que l'intelligence artificielle peut t'assister dans ta collecte d'informations nécessaires pour la préparation de tes documents. Elle peut par exemple t'aider à générer automatiquement les statuts de ton entreprise en se basant sur les informations que tu lui as fournies. L'IA peut même t'aider dans la communication avec les organismes officiels. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. Est-ce que tu as vraiment envie de donner tes informations personnelles à une machine qui s'en sert pour se développer? Pas sûr. On en reparle un peu plus tard. L'intelligence artificielle peut t'aider à identifier les opportunités de marché les plus propices à ton activité. En analysant de grandes quantités de données, elle peut dénicher les tendances et les signaux qui indiquent les opportunités lucratives pour ton entreprise. Elle est capable de détecter des niches émergentes ou des besoins non satisfaits qui peuvent te guider vers des opportunités de marché prometteurs. De plus, elle peut t'aider à anticiper les tendances futures en analysant les données historiques et en utilisant des modèles prédictifs. Ça te permet d'avoir une longueur d'avance en identifiant les évolutions du marché et les changements de comportement des consommateurs. Ce n'est pas une solution miracle. Elle ne garantit pas automatiquement ta réussite financière. Ce serait bien trop facile. L'expertise humaine est toujours essentielle pour interpréter ces résultats et prendre les bonnes décisions. Il faut l'avouer, tout n'est pas rose au royaume de l'intelligence artificielle. Il faut prendre en compte les inconvénients de l'utilisation de l'IA. L'IA ne remplace pas totalement l'humain. Elle est très utile, mais elle ne va pas résoudre tous tes problèmes comme par magie. Elle est beaucoup moins flexible qu'un être humain et elle est presque incapable de prendre en compte les nuances et les subtilités propres à chaque situation. En fin de compte, une machine, c'est binaire. Si tu rencontres des problèmes lors de l'enregistrement de tes statuts, par exemple, il faut mieux communiquer directement avec l'administration pour les résoudre. Ne demande surtout pas à une IA de faire cela à ta place. Tu ne sais pas si elle va résoudre ou aggraver le problème. L'IA peut te faire gagner un peu de temps, mais une intervention humaine est requise pour prendre des décisions spécifiques ou résoudre des cas particuliers. L'utilisation de l'intelligence artificielle soulève aussi des questions sur la responsabilité en cas d'erreur ou de décision contestée. Si une décision prise par l'IA est contestée sur le plan juridique, il peut être nécessaire de faire appel à un professionnel du droit pour résoudre le litige. Le mieux, c'est de combiner l'intelligence artificielle avec l'expertise humaine. Comme ça, tu maximises les avantages tout en minimisant les risques. C'est quand même mieux comme ça. Bon, voilà, on a fait le tour des risques et bénéfices liés à la création d'entreprises avec l'IA. Depuis le temps, tu as dû recevoir le guide pour créer ton entreprise dans ta boîte email. Et si on mettait à profit tout ce qu'on a vu pour allier humain et technologie et créer la boîte de tes rêves? Doux et ses juristes spécialisés dans le droit des sociétés attendent ton message avec impatience. Alors contacte-les vite. Bon, si ChatGPT n'a pas réussi à répondre à toutes tes questions, n'hésite pas à nous les poser. On n'est peut-être qu'humain, mais on se fera un plaisir d'y répondre. Et pense à t'abonner, la chaîne regorge de vidéos explicatives qui peuvent t'intéresser, surtout en ce qui concerne la création d'entreprise. À très vite chez Doux.